D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super magical chest. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour savoir comment bien utiliser ces gemmes sur Clash Royale. Donc voilà ces gemmes que vous avez ici, qui coûtent vraiment quand même assez cher et que vous avez des fois dans les coffres, vous en avez un ou deux. Alors je vous ferai d'ailleurs une présentation de mon deck bientôt qui marche plutôt pas mal. Parce que je suis monté à 1800 trophées grâce à ce deck, 1804 trophées. Et donc voilà, donc je vous montrerai ça très bientôt en vidéo. Bref, donc là, un petit tutoriel pour savoir comment bien utiliser ces gemmes. En fait, c'est assez simple, mais je pense qu'il faut mieux le rappeler. Enfin, il faut mieux faire une vidéo dessus parce que c'est quand même assez important. Parce que sinon, vous allez dépenser beaucoup trop de gemmes pour rien. Alors déjà, si vous voulez, vous pouvez acheter des gemmes dans le jeu. Ça coûte quand même assez cher, même si... c'est quand même pas mal. Alors par exemple, si vous achetez des gemmes, ce que je vous conseille de faire, c'est de jamais prendre de coffre ici à 380, à 600 et à 3400, parce que ça ne vaut pas le coup. Imaginons, on va faire un petit calcul rapidement. Imaginons que vous prenez imaginons que vous voulez ce coffre là qui vaut 3400 gemmes. Et bien il faudra que vous dépensez en fait exactement 20 euros plus 10 euros, donc c'est à dire 30 euros juste pour ce coffre. Il vous restera d'ailleurs, il vous restera exactement, attendez je calcule vite fait en live, il vous restera 300, si je me trompe pas, il vous restera 302 gemmes, enfin il vous restera 300 gemmes, pardon, 300 gemmes. Donc voilà, 30 euros juste pour ouvrir un coffre, c'est quand même très très cher. Alors ce que je vous conseille, si vous comptez acheter par exemple 20 euros de gemmes, voilà, excusez-moi, retour, voilà, 20 euros de gemmes, c'est-à-dire 2500 gemmes, ce que je vous conseille, alors c'est, ben déjà, si vous payez donc des gemmes, c'est de les dépenser dans l'or. Alors soit les dépenser, soit tout dans l'or, par exemple, si vous avez 2500 gemmes, ça vous fera, ben du coup, 500 fois... Enfin 2500 divisé par 500, ce qui fait exactement, on va faire ça vite fait, comme ça vous êtes fixé, 2500, mince, comme ça voilà, on sera fixé. Alors 2500 divisé par 500, ça fait que vous pouvez avoir 5 fois 10 000 gold, donc ce qui fait quand même 50 000 gold, donc c'est quand même pas rien. Je pense que si vous mettez 20 euros dans le jeu, il y a moyen d'avoir toutes les cartes vraiment très rapidement. 20 euros ça peut aller. Alors ce que je vous conseille de faire, donc voilà, c'est soit, alors avec les gold, soit de payer de l'or. Par exemple, ben, le mieux c'est d'en payer 10 000 ou 5 000. Hein. Donc voilà, avec un peu moins de 50 euros, vous avez 5 000 d'or, ce qui est quand même pas mal. Et ensuite, avec cet or là, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, en fait, vous allez tout simplement payer les cartes que vous n'avez pas en fait. Par exemple, imaginons, vous n'avez pas le miroir, mais vous pouvez le payer, par exemple ici. Vous pouvez le payer. Donc ça c'est plutôt intéressant, comme ça vous aurez les cartes, comme ça vous serez sûr d'avoir les cartes, alors que là si vous prenez un coffre vous n'êtes même pas sûr d'avoir les cartes que vous voulez en fait. Donc voilà, première astuce donc avec vos gemmes, c'est de payer des gold et ensuite de payer les cartes. Alors si vous achetez des gemmes, ce que je vous conseille c'est vraiment de dépenser quasiment tout dans les gold, mais il y a une autre astuce, ouais, une autre utilisation de ces gemmes qui peut être pas mal. Donc on va se retrouver juste ici. D'ailleurs je vais vous ouvrir les deux coffres là en vidéo, allez c'est parti, en live hein. Ok, bon il n'y a pas grand chose d'intéressant vu que c'est voilà un coffre en argent puis un coffre en bois. Alors le coffre en bois souvent c'est un petit peu plus intéressant, souvent hein. Voilà par exemple en ce moment j'ai beaucoup de mortiers. Mon mortier est déjà niveau 5 alors que je l'ai eu il y a même pas une semaine, donc c'est plutôt pas mal hein. Il est déjà bientôt niveau 6 d'ailleurs, bientôt niveau 6, donc c'est plutôt intéressant. Et le canon aussi qui passe niveau 7 dès que je peux. Donc voilà. Et donc du coup alors deuxième utilisation de ces gemmes, c'est tout simplement en fait de gemmer les coffres. Si vraiment vous jouez beaucoup et que vous avez envie voilà de jouer pas mal, enfin vous avez envie d'avoir pas mal de coffres, ben ça peut être pas mal de gemmer les coffres. Moi c'est ce que je fais le plus souvent, souvent quand il n'y a pas de... quand il y a plus de place en bas du coup, et que j'ai envie de continuer à jouer et d'avoir des coffres. Même si on peut continuer à jouer sans forcément avoir des coffres, mais je préfère avoir des coffres. Donc du coup ça m'arrive de gemmer. Mais là je vais essayer d'économiser pour en fait les dépenser tout en bas, voilà, dans les gold, pour comme ça avoir tout simplement 1000 de gold. Après c'est vrai que c'est quand même... Bon après je sais pas trop parce qu'après c'est quand même 1000 gold, c'est pas beaucoup. Mais par exemple 500 gemmes pour 10 000 gold, c'est quand même très très intéressant. Donc voilà. Mais après voilà ce que je vous conseille, alors soit les coffres,
Soit vous le dépensez dans les gold. Moi, personnellement, je les utilise quasiment tout le temps dans les coffres. C'est-à-dire que par exemple, il reste, on va dire, allez, 1 heure pour le coffre à peu près. Et bien, ça coûte environ 6, 7, 8, 9, 10, au maximum 10 gemmes. Et donc, souvent, je gemme voilà, entre 5 et 10 gemmes par coffre à chaque fois. Et donc, du coup, voilà, c'est pour que ça aille plus vite. Comme ça, j'ai plus de coffres à ouvrir et c'est plus intéressant, je trouve. Mais sinon, voilà, si vous comptez mettre de l'argent dans le jeu, ben, je vous conseille de mettre au minimum déjà 5 euros. Comme ça, avec 5 euros, vous avez 10 000 de gold. Vous achetez 500 gemmes et vous prenez 10 000 de gold. Et comme ça. 10 000 de gold, ça vous fait comme une carte, ça vous fait 5 cartes épiques que vous pourrez acheter que vous n'avez pas. Donc 5 cartes épiques, c'est quand même pas mal, sachant par exemple que moi, non, c'est pas ici, il me manque quand même, il me manque 9 cartes. Donc imaginons que là, je pourrais m'en acheter par exemple, si je dépense 5 euros, juste 5 euros, je pourrais m'en acheter, donc comme j'ai dit, 5. Après c'est sûr, comme vous l'avez deviné, il faut que les cartes soient là. Mais c'est vrai que souvent ça change, ça tourne pas mal. Donc c'est quand même. Vous avez pas mal de chances d'avoir des cartes que vous n'avez pas. Dans ce petit shop, dans ce petit magasin. Donc voilà. À la limite, vous pouvez même dépenser, je pense, 20 euros. 20 euros, ça fait 2500 gemmes. Et comme ça, vous achetez, comme j'ai dit tout à l'heure, 50 000 de gold. Avec 50 000 de gold, vous avez largement assez pour les dépenser. Dans les épiques déjà, et puis dans les autres cartes aussi, hein. Si vous n'avez pas les autres cartes, n'hésitez pas, hein. Si vous n'avez pas les autres cartes, n'hésitez pas à les acheter. Mais voilà, vous pouvez même améliorer avec les golds, vous pouvez même améliorer les cartes, donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs aussi avec ces golds-là, vous pourrez bien sûr monter au niveau suivant les troupes. Par exemple, il y a pas mal de troupes que je peux monter au niveau suivant, que je ne fais pas parce qu'en fait, demain c'est le Sunday, demain on est dimanche et c'est le Sunday, et donc on aura, à la place d'avoir 3 cartes, on aura 8. Donc là, je ferai une vidéo d'ailleurs bientôt dessus. Mais en tout cas, voilà, vous aurez à la place de 3 cartes le Sunday, donc le dimanche, vous aurez 8 cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà en fait comment bien utiliser ces gemmes. Bah alors tout simplement, c'est très simple. Vous les mettez dans les golds, si vous en achetez directement. Ou sinon, si vous en avez grâce au coffre, bah, je vous conseille de gemmer les coffres pour avoir encore plus de coffres. Mais après voilà, c'est vraiment les deux techniques que je vous propose. Et surtout, ne pas dépenser les gemmes dans ces coffres-là. Parce que ça ne vaut vraiment pas du tout le coup. Parce que par exemple, comme je vous ai dit, pour un super magical chest, donc un super coffre magique, vous dépensez 30 euros. Donc c'est quand même assez énorme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker et à partager la vidéo. Allez, salut à tous, ciao ciao.